Du coup, on est parti pour une petite game avec Sejuani dans la jungle. Le fameux, la fameuse légende du 5-1-8. Il y a du coup 9 décrets du joueur féminin dans cette game. Ça fait super plaisir à voir. Une maîtrise qui n'est pas trop OP. Donc allons-y. On est avec une Riven top lane qui est contre Wukong. On a une Ahri support. Oui, les gars. Ahri support là, qui, voilà, qui a été log je ne sais par quelle sorcellerie. Qui est avec un Ezreal en AD carry. Twisted Fate mid lane. Je joue donc Sejuani. Riven top lane. Il est face à un Wukong jaune fluo. Wesh. On est face à une Poppy qui est actuellement l'un des meilleurs champions du jeu. Le blanc mid lane, Miss Fortune plus Blitzcrank. Et du coup la game risque d'être assez délicate. Par contre il faudrait peut-être qu'il se bouge là-bas. Je vais les pinguer. Je vais faire hey bougez. Parce que là à 1015 les gars, c'est chaud hein. Il manque Larry. La Riven vient de bouger. Donc du coup la Riven je m'en fais pas. Mais Larry, ah c'est bon, Larry vient de bouger aussi. C'est bon, j'ai confiance. Je vais commencer au Z hein, bien entendu. Et ce sera bon. Donc Erabet, je pense qu'elle sortira quand la saison 6? Je pense qu'elle sortira genre dans une semaine avec le début des LCS. Avec la reprise des LCS, ils devraient mettre le reset. Donc on va voir. On va voir. Et nickel pour jungler la Popo. Ah mais Poffly en jungle, c'est grave fort. Hein. Poppy de toute façon, actuellement, c'est vraiment fort. Donc c'est possible, Ruhr de Taric, Opal pour l'harmonie, Ruby pour la vigueur, Saphir pour la divinité, Emerald pour Garen. Ouais, c'est possible. C'est possible que ce soit aussi le rework de Taric. Vous avez raison, j'ai un petit peu oublié de mentionner cette hypothèse, car en gros les fonds font que, enfin les noms des champions qui ont été choisis font que ça pourrait être un rework de Taric. Mais je vous expliquerai ça aussi juste après, donc pour le nouveau champion. Donc ouais, pour ceux qui êtes sur YouTube, bah du coup j'imagine que vous avez regardé l'autre vidéo qui consiste à expliquer un peu le changement du nouveau champion, enfin le teasing du nouveau champion. Et du coup on va voir ce que ça va, voir ce que ça a donné, si nos suppositions sont justes ou pas du tout. Hervé, tu as vu la vidéo de Faker qui s'entraîne à dodge sur un vieux jeu? Il est trop fort, ça abuse, ça va vite dans sa tête. Non, j'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mon père. Meilleur champion du jeu, 43% win rate, top, 44% win rate jungle. Ouais, mais après, c'est parce que les mecs savent pas la jouer, tu vois. Je pense que honnêtement, que c'est pas mauvais du tout. Donc, moi en général, dans la jungle, j'ai tendance à faire ma technique du. Donc, je fais mes 3 camps, je back, j'achète la machette, et ensuite, je vais faire mon raid pour éviter le counter jungling, sachant que Poppy en counter jungling, c'est pas si dégueu que ça. Faut bien s'en rendre compte aussi. Voilà, je vais mettre un deuxième point dans mon Z pour clean la jungle plus rapidement. Et là je back. Donc en gros c'est un clean, enfin c'est un chemin de jungle qui te ralentit un petit peu, genre mais très légèrement, mais qui d'un côté te permet d'être vraiment vraiment safe dans ta jungle, tu vois. Ça évite tout counter jungle potentiel. Ou au moins ça force le mec à faire le raid direct. Mais en général les mecs attendent, tu vois. Genre lorsqu'ils viennent dans la jungle, ils attendent un peu le temps de voir le jungler. Donc moi j'aime bien cette stratégie. Mais bon, on va voir. Ta Riven est déjà dans le mal. T'es fou toi. Ma Riven, elle prend le first blood. Oh, ça fait plaisir de voir une Riven comme ça. Donc Riven en plus de ça qui a Ignite face à Ignite. Donc du coup le Ignite a été utilisé sur la Riven mais n'a pas été utilisé sur le Wukong. Voilà, c'est bon. Jungle du coup il est arrivé. Dommage. Est-ce que je peux aller counter jungle là quelque part? J'aimerais bien aller counter jungle. J'essaie d'aller counter jungle s'il tente un truc. Est-ce qu'il va back? T'as tellement de creep. Oh, il est en train de freeze la lane là. L'enfoiré. J'ai pas encore mon Q-spell. Est-ce qu'il va tenter son gromp? Mec, s'il fait son gromp, je vais le chercher. Putain, il vient pas. Il vient pas faire son gromp. Je suis très déçu. Est-ce qu'il va back ici? J'ai un tampon un peu ici pour voir. Mais j'ai pas encore mon Q-spell, donc du coup, c'est assez chiant. Oh, nice. Non, je suis trop con. Nice. Voilà. Tu vois, ça c'est la vision de jeu. Ça c'est la vision de jeu, tu vois, t'arrives, tu vas chercher sa jungle. Par contre maintenant j'ai un peu peur. C'est possible que là ça vienne sur moi. Non c'est bon, là le loin est là-bas. Donc voilà, j'ai attendu, j'ai un peu perdu la vision comme un connard, mais finalement c'est passé. Et donc voilà, donc là il a eu le temps de faire un compte plus, donc là on a réussi à counter jungle. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de smite ses loups. Ok, comme ça j'ai la vision dans sa jungle à lui aussi. Ce serait plutôt pas mal. Non, j'ai pas envie de prendre. J'ai pas envie de tout prendre. Oh merde, j'ai tout pris. J'arrive top. J'arrive top, mec, on le dive easy. On le dive 20 fois, mon ami. Non, il a utilisé son truc. Voilà, c'est bon. J'ai pas besoin de tuer mon flash sur ce move-ci. J'ai pris un petit kill. Au niveau de la mid-lane, malheureusement, notre tout self-fight est mort. Mais nous, on est à 2-0. Et on va continuer. On va essayer d'aller chercher un peu plus de dégâts. Moi j'aime bien prendre ça. Donc, je sais pas pour quelle raison, mais j'aime bien prendre
justement l'enchantement sabre de l'escarmoucheur, vu qu'il est vraiment extrêmement fort. Mais d'un côté, si jamais j'ai pas la lame du tracker, j'ai pas le smite qui met les dégâts, etc. Donc à chaque fois j'hésite. Mais pour une fois je vais changer. Je vais prendre la lame du tracker pour essayer de changer. J'ai pris cet item-ci pour me permettre d'avoir instantanément plus de dégâts dans la jungle et la clean beaucoup plus facilement. Ce sera bien. Voilà, c'est parti. Donc le call du dive moisi, vous êtes fou, le dive il est passé propre. Il est très très bien passé. Donc bot lane, est-ce qu'il s'en sort bien? 40 à 29, il s'en sort super bien. Mid lane il outfarm mais il s'est fait tuer une fois. Ça c'est dommage. Ok, c'est mon smite pour avoir la vision dans ma jungle si jamais la poppy viendrait tenter un petit move dans ma jungle. Je prends mon gromp pour passer le level 6 et je vais aller bot lane. 6 then bot. Attends, je peux encore le fist. Laisse là, je suis pas encore level 6. Couldn't be there at this moment. Voilà, c'est bon. Je préfère la prévenir maintenant. Oh, peut-être un truc à tenter. J'arrive. Frère. Ouais, il est là. Non, il s'est fait défoncer. Non, putain. Ok, flash out instant. Assez déçu. Ok, j'aurais pas. Je ne l'aurais pas malheureusement. Donc j'ai mon dash soon. J'ai mon dash. Ah, j'aurais pas les dégâts. Fuck! Je suis extrêmement déçu là sur ce move. Je suis level 6 malheureusement, j'ai forcé son flash. Ok, parfait. Il vient me chercher, il y a la Riven qui est en train d'arriver. C'est pas mal. Je préfère flash out. Vas-y, go. Parfait. Voilà, tout simplement, on a bait pour la Riven. On a réussi à prendre double assist sur ce move. On va push la mid lane. Oh merde, faudrait pas push. On est fou nous. On va deny tellement le tout self-face sinon. J'ai un peu peur du Wukong qui pourrait arriver en mode fufu là. Donc ça peut être un peu la merde. La Riven qui est maintenant à 4-1. Je suis à 2-0-2. C'est parfait. C'est parfait. Donc allons-y. Continuons notre petite game. On fait notre petit bout de chemin. On a maintenant notre enchantement titan cendré. Et on va y aller. Donc j'ai flash out instant pour éviter de me prendre le Z de Leblanc. Mais là. Là c'est un peu compliqué, botlane qui il meurt. Oh putain ça va, il passe. Par contre là il peut pas là. Ouais voilà, c'était sûr. Double kill pour Blitzcrank. On s'en bat les couilles. T'es qu'un support. Tu pourras balancer ton bras, c'est tout. On s'en fout totalement. Donc la Riven, c'est toi qui l'a coaché là, mais ouais, je lui ai donné quelques conseils avant la game, c'est vrai. Donc je suis parti pour la première fois de ma vie avec la lame du tracker sur ses genies. Et on va voir si ça fonctionne bien. Donc je suis level 7, je suis vraiment trop bien dans la game. Hein. J'ai mon ultime dans 40 secondes. Donc est-ce qu'il veut son blue? Do you want blue? Je demande s'il le veut. Après mon ultime était pas ouf mais ça force le flash, donc on va dire que c'est ok. Je pense qu'il en a pas besoin. Hein. Je pense qu'il va le donner hein, si je lui donne. Ok vas-y. Vas-y tiens. Prends-le alors. Si tu me dis oui, je te fais confiance. Je te fais confiance. Moi je laisse. Il y a noir d'ici. Je vais essayer de passer par derrière du coup. J'essaie quand même de faire ça avant. Non, faut pas que je fasse quand même par la round. Voilà. Je vais essayer de passer par derrière en gros en essayant de sauter. Et de mettre un ultime. Donc en gros si je saute là, je pense qu'il... Attends, j'ai dû mettre ma pink. Ah, ça fait super plaisir ça. Vas-y, push. Push-moi ça. Et du coup là ça va être un dive assez assez easy. Ok. Vas-y bah du coup j'ai pas besoin de mettre mon ultime là sur ce move. Attends j'ai un smite, ça c'est à moi ça. J'ai smite comme si c'était un putain de mob. Je me suis dit peut-être qu'elle va le brain et tout. Donc j'ai eu un peu peur. Ils sont 4 top là. Ah ouais mais du coup prenez à tour. Tranquille, personne n'a vu ma ping. Bah tout, t'es sérieux un poucave comme ça là? Ouais j'étais sérieux, t'es un faux frère toi. T'es un faux frère de ouf. Attends, 1, 2, 3. Donc on prend le tour, c'est pas mal. Ok, y'a rien ici, y'a rien là-bas. Faut que j'aille chercher ma jungle du coup. Je pense que je peux passer par là, la blonde ne peut pas moins de burst à ce moment-là de la partie. Donc c'est parfait, allons-y. Ta prochaine bonne résolution sera de bien mettre les wards. Ouais je pense, genre y'a des chances. Par contre j'en ai besoin de ça. Genre ça me donne tellement de gold de plus. En gros, si je fais les mobs de la jungle, je gagne plus d'XP que si le TF les fait. Donc autant me les laisser tu vois. Surtout bon, c'est joli en jungle, ça clean quand même assez bien la jungle. Faut pas se mentir.
C'est pas dégueu. Mon smite à 170. Voilà. Est-ce que je peux tenter un move au mid? Il a pas dégagné, c'est ça, je pense. Nice, mais qu'est-ce qu'ils ont? J'ai rien dit. Mec. Vas-y, mec. Mec, go go. Nice. Ils sont où? Putain, mec. J'ai tellement pas d'alliés. Non, putain, j'ai mis un ultime sur deux personnes. Et on pouvait pas. Ah, il manquait la Riven. Il manquait la Riven. My bad. Le Ezreal est mort juste avant. Ouais, c'est pour ça, j'ai fait le con. Genre, le Ezreal est mort juste avant et j'ai voulu quand même go in. My bad. Là, j'ai vision tunnel un peu là. Et clairement, c'était mauvais. Malgré un bon ultime, c'était pas suffisant. Seulement le TF avait go directement sur la Leblanc. Je pense qu'on aurait pu la One Burst. Mais ce n'était pas le cas. Et du coup, j'ai un peu déconné. On va pas se mentir là sur ce move. C'était un peu la déconne. Donc, allons-y. Je prends ça. Je vais partir maintenant sur. Je vais partir sur ça. Je vais prendre un petit Solari. Là, par contre là, oh le gamin, ça c'est terrible ça. Ce spell, il counter tellement le truc. Oh ok, la Riven est morte, 3 personnes au top. En même temps là, on était mort, donc c'était pas si ouf que ça. Donc pour se mettre les champions du monde, il y a du monde, mais pour les objectifs Drake Nashor c'est autre chose. Oui c'est vrai. Pour se mettre les gens c'est cool, tu vois. Genre moi je m'amuse, je se mettre les gens c'est bien. Vous allez voir que quand je vais devoir smite un Drake ou un truc comme ça, pouf, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Donc j'ai mon ultime dans 50 secondes, la Poppy est level 8, je vais passer moi level 9 après Scripsy et ce sera bon. Donc je pense que tu vas jouer Riven après, je t'envoie un message Facebook qui devrait beaucoup t'intéresser à propos du perso. Go check pendant une pub si tu peux. Je pense que ça te perd, je vais regarder ça après alors, ok, y'a pas de problème. Je checkerai ça juste après, j'ai 40 secondes avant mon ultime. Mid lane à 0-3, ah ouais, il est parti sur un Abyssal first item, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison de prendre ça. Attends, j'ai envie de smite ça pour avoir un peu la vision partout. Voilà. Comme ça, si seulement il y a des wards dans ma jungle, bah je le saurais. Là on est sur le blanc. Recule, recule, frère, frère. Heureusement que les chaînes sont loupées. Malheureusement le grab, lui ne l'est pas. Il aurait tellement dû reculer avant. Oh là là. Oh, please. J'ai ping qu'il était là, fallait juste se tirer. Je pense qu'en 2v2 on aurait peut-être pu le faire, mais j'étais un petit peu loin. Je pensais pas du tout qu'il allait tenir si longtemps. Par contre, bot lane, du coup, c'est assez gratuit maintenant. Voilà, faisons attention quand même, ils sont de push. Oh, what? Vas-y, balance ton ultime là. Ok, nice. Oh, il a raté, il a tout raté. Et ma potion. Non, l'auto-attaque! Il m'a abusé avec l'auto-attaque. Le Blitzcrank qui vient, le Blitzcrank qui décale vraiment bien. Le Blitzcrank depuis tout à l'heure fait tellement la game. Enfin, il a eu raison de cancel sa TP. Mon ultime, j'ai un peu piffé malheureusement, donc j'ai pas pu faire grand chose hein, sur cette ultime. Mais là on sent quand même un TF qui est un petit peu lourd à porter. Malgré une botlane qui joue bien, un top laner qui joue bien, la midlane nous pénalise un peu. Malheureusement, je n'aurai pas le 5-1-8 vu qu'on est à 3-2-3. Mais on est bien dans la game. Honnêtement, je pense qu'il y a très largement moyen de remporter cette partie assez aisément. Donc on va voir. On va voir. On est parti sur un saut noir en plus. Hein. Du coup, les kills lui donnent tellement plus que ce que ça ne serait. Enfin, que ça devrait lui donner normalement. Donc, le Ezreal veut prendre le blue. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça ne me dérange pas s'il prend le blue. Et j'ai tendance à utiliser mon smite assez. Un petit peu trop souvent. Avec ces joignies, je pense que c'est une de mes faiblesses en jungle. C'est que j'ai tendance à le faire, genre en mode bah allez, je fais ci, je fais ça, je fais ci. J'utilise mon smite dès que je l'ai, alors qu'en vrai, si tu le gardes pour un trade, ça peut être beaucoup mieux. Donc ouais. La chaîne n'a pas touché. Je vais le 10, j'ai pas encore mon ultime moi. J'ai pas encore mon ultime, c'est pas le moment où il faut trade. Hein. C'est pas du tout le moment où il faut trade. Au top, je pense qu'il peut le défoncer. Assez facilement. Ok, c'était facile, ce que je dis. Est-ce que je peux counter un blue buff? Je sais pas du tout où la Poppy. La Poppy est vers mon blue. Ok, je vais lui voler ça du coup. En espérant qu'il n'ait pas la vision. Car s'ils ont la vision, là le blanc va pouvoir le prendre sans trop de difficulté. Comme il est mort encore? Oui, il est mort. En même temps, ils sont 3 là. Pour le coup, pas trop d'aide à donner. Je peux vraiment rien faire depuis tout à l'heure. Hein. Putain, fuck. Je peux pas arriver dans le dos comme ça. Viens ici frère. Elle va arriver. Ah non, ils sont en train d'attaquer mid là, vraiment? Ah ouais, ils sont en train de full push mid. Très bien, je peux pas spécialement défendre. Faut juste que j'arrive à prendre les creeps pour les éviter de
pour les empêcher de push un peu. Est-ce qu'ils vont tenter un truc là? Non, ils vont pas tenter grand chose. Là, je me tire direct. J'ai mon flash si jamais il faut. Voilà. La ward va être enlevée là. 0-5. C'est pas ouf hein. Pas fameux quand même au niveau de la mid lane. Mais honnêtement, il sul farm donc. On va dire que c'est ok. On va dire que c'est ok. Même si en réalité ça ne l'est pas trop. Vas-y, laissons leur le Drake. Hein. C'est que le premier Drake, c'est ok. J'ai passé mon level 11, je pense avec. Ouais, il me faudrait un peu plus quand même. Il me faudrait genre les Krugs et un autre camp pour passer level 11. J'ai 1000 gold, il va falloir que j'en profite pour essayer d'acheter au moins l'Aegis et réduire les dégâts de cette Leblanc qui, mine de rien, commence à faire un peu mal. Voilà, je suis level 11. La Riven défonce totalement. Le Wukong, malheureusement, l'Ignite va la tuer. Donc ça, c'est assez dommage le shutdown là. Les mecs sont en train de se faire full push partout. Faut que j'aille défendre. Faut que j'aille tenter de les aider là. L'ultime qui touche, l'ultime qui fait pas tant de dégâts que ça. Il est parti lui, sort sabre d'escarmoucheur avec justement enchantement titan cendré et non pas guerrier. Ok. Ok, why not. Mid lane, c'est du 2v2. Support mid contre support mid. Mais on est sur un Medjay avec notre Ahri. Intéressant. Intéressant. L'Ahri s'en bat les couilles hein, de l'avenir. Ok. Moi, je suis assez tanky. Je commence à être plutôt bien. C'est quoi, je suis parti en deuxième item. J'aime bien moi faire un Liandry dessus, mais en gros je fais très souvent en dernier item pour accentuer un peu mes dégâts. Mais sinon je le fais jamais en early, sachant qu'en gros le champion fait déjà assez mal comme ça. Qui l'a eu? C'est pas lui. Il me semble pas. It's easy to gank fort. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est facile de gank pour une Leblanc. Là où gank pour un TF, Léa aussi, mais pas contre une Leblanc. Donc du coup c'est chiant. Ok, Wukong ici. Personne au bot, personne au bot. Hein. Non, 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 pas tout ce riff. Oh, Riven, non. Il a pas de grab pour l'instant. Du coup, je peux me permettre d'enlever la pink et de repartir ensuite. Putain, par contre, sans Riven, on peut pas fight. Hein. Sans Riven, y'a aucun moyen que l'on fight là. Hein. Ok, ça a touché personne, c'est nul à chier. Ouais, va falloir qu'on se tire. Hein. Va falloir qu'on se tire et y'a Loukon qui va tenter un move. Là, le blanc est là. Je suis quand même relativement tranquille là. Hein. Putain mec, ça me fait démonter là. Pourquoi ils se font tous catch comme ça? Mec, c'est nul à chier ce qu'ils nous font là. Non, fais gaffe à pas te faire grab. Juste gaffe à pas te faire grab. Le Ezreal qui n'a pas encore assez de dégâts pour le moment. Il fait même vraiment pas de dégâts. Là ça devient compliqué, il y a 19-13 hein. Ouais, très bien, le blanc mon champion. Ok, il flash out instant. C'est pas mal. Nice. On bat les couilles de toi, Leblanc. Ah, je suis grave bien. Hein. J'ai mis un ultime là, il était parfait. Donc ça nous a permis de récupérer 2 kills. Je pense pas pouvoir tuer cette Leblanc malheureusement. Au top, on est obligé de laisser la Riven prendre le farm. J'ai flash in pour essayer de mettre au corps à corps de la Miss Fortune et ça a marché. Donc on récupère 1 kill, 1 assist sur ce move. Donc c'est assez bon. Malheureusement, on n'a pas réussi à tuer la Leblanc non plus. Donc ça aurait pu être une petite gloire de plus. Mais là. 18 stacks de Medjay. Non. Non. 10 stacks de Medjay, c'est chaud. 18 pardon. Ok. Il va falloir que j'achète moi mon médaillon. Je vais partir ensuite sur un Randouin. Oh, Randouin c'est bien. Non. Je vais juste back. Putain fuck. Par contre mon ultime les gars. Ah, il était très très doux. Il était sous sauce aigre douce même, j'ai envie de dire. C'était fantastique. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. On vous propose un peu de beau jeu tu vois. Donc allons-y, changeons notre trinket. Voilà. Je vais blue buff, on va le laisser au Aze. Ouais, pourquoi pas. Ça ne me dérange pas de le laisser au Aze. Après honnêtement, ça ne dérange de le laisser à personne là. Sauf peut-être le TF qui est à 0-6, mais sinon, sinon c'est ok. Ok, I don't care, he took my mid. Mais il est con lui. J'avoue, pick order quand même. Il y a peut-être une Leblanc qui se balade ici. Hein. Elle vient de placer cette ward. Par contre, le Wukong commence à se mettre bien. La Riven fait un peu de la merde, vas-y. Push en mid, push en mid. Push mid, frère. Même s'il y a le blanc là, il va falloir qu'on y aille, qu'on tente de faire quelque chose, qu'on tente de prendre un objectif. Laissons le Ezreal et Larry défendre. Il faut qu'on y aille. Voilà. On est ok. Est-ce qu'ils vont essayer de push? Ils vont essayer de push. Là, il faut qu'on fasse gaffe quand même. Il y a Poppy avec.
Ça sent un peu la merde. Il faut qu'ils back le TF au top. Ouais, ils peuvent pas vraiment défendre en vrai. Ils vont juste se faire go in. On a perdu une tour. Mauvais call. Mauvais call, mauvais call. Faut que j'y aille. Ils ont pas pris la tour. Nice. Parfait. Go, allons-y, allons-y. Nice, 3 personnes encore. Putain, mais je suis un dieu avec ce pick. J'en ai marre. J'en ai marre d'être aussi fort avec ce pick, putain. Non, mais non. C'est pas humain ça, c'est pas humain. D'être aussi chaud. Vas-y, non, fais ça, non, fais ça. Vas-y, il est pas, il est mort ou pas? Mais c'est de la bague. Mais putain, mais... Mais putain, vas-y. On peut faire quelque chose là, il faut qu'on prenne des objectifs. Bon, cette game, je dois la mettre sur mon dos. T'es trop chaud avec ces jeunes, mais c'est mon main jungle de base. Donc j'aime bien, tu vois. C'est un de mes pics de prédilection. Oh, attention quoi, le blanc est là-bas. Elle est où? Elle est où? What the fuck? C'est que dans ma tête, je me suis dit, genre j'étais perdu. Je me suis dit, elle a disparu. Elle a fait une téléportation à la Goku. Elle va tenter de me grab, ouais, de toute façon, là, c'est une grab, ça change pas grand-chose. Non, donc celle-ci. On tire la vision s'ils en ont quelque part. Non, non, qu'est-ce qu'il fout? Par contre, je suis tenté. C'est pas grave, vas-y, mets-moi ton ultime, Miss Fortune. C'est ok. Donc là, on a réussi à prendre un petit kill gratuit. Par contre, attention, grab. Ça va, j'ai eu celui-ci. Donc il manque combien de gold là pour acheter mon Anduin? Il manque. Il manque pas grand chose, il manque plus que 200 gold. Donc allons-y, je vais farm les 200 gold et ensuite j'irai back pour acheter mon Randune. Et une fois que j'aurai le Randune, je serai vraiment extrêmement tanky. Donc le nerf de ces Sejuani se ressent de ouf ou pas? Bah il se ressent un peu quand même, vu que bon, à une époque c'était OP. Là ça allait beaucoup moins, là c'est en mode. C'est un pic normal, tu vois. C'est genre. Tu vois, tu peux le sortir de temps en temps pour t'amuser, mais c'est pas le pic que tu vas sortir en mode. C'est OP, vas-y, je le sors. Genre, je prends ce pic, j'ai gagné. À l'époque c'était je prends ce pic, j'ai gagné. Donc là maintenant non, mais tu peux toujours faire la différence, tu le vois bien sur les ultimes quoi. Ok, c'est bon, j'ai ça. Fasse gaffe le mid. Putain, j'essaie de l'aider. Ok, ça va, ça sort. Mec, vas-y, go. Non, j'ai tué que lui, dommage. C'est pas ce que je voulais. C'est pas grave, tape-moi moi, je m'en fous. Tape-moi moi, je t'ai dit. Voilà, t'es ralenti, tu es mort. Par contre, là, c'est chaud. Nice. Non, j'ai pas la range. J'ai pas la range pour le ralentir. Le E. Oh merde, ils sont plusieurs ici, j'avais pas vu. J'ai mon spell spoon. Ok, ça va, il ne m'a pas eu. Ah ouais, non, mais j'avais pas vu qu'il y avait MF. Mais je t'en quand même beaucoup, hein. Mine de rien. Voilà, bien joué ça. Shutdown. Oh, il a pas un dernier stack d'ultime, ça aurait été bon. Ça aurait été très beau jeu ça. Donc je prends ça, je partir sur quoi maintenant? Plaque du mort. Oh, plaque du mort, ça va être bien. Plaque du mort, ça va être bien. Allons-y. Donc malheureusement, mon ultime n'a pas tué le blanc tout à l'heure. Mais au final, là le blanc est mort, son Medjay est maintenant remis à pas grand chose, et on est très bien. Par contre la Riven au bout d'un moment, faut s'acheter un cerveau, tu vois. Je veux dire que la top lane c'est bien, push c'est bien, mais avoir de la vision dans la jungle c'est cool aussi. Hein. Je veux dire que là c'est pas optimal en termes de vision. Oh non, on va faire un break. Non, non, non. On va faire un break les potes. J'ai peur. J'ai peur. J'ai très très peur. Mon smite fait 760. Oui! Genre le mec il a peur d'un smite où il n'y a personne. Non, ils le font pas là. Ok, j'ai mon ultime soon. Peut-être qu'on va faire un truc. Hein. Vas-y, c'est pas grave, je vais le mettre sur moi. Ok, j'ai mon ultime dans pas longtemps. J'ai mon ultime dans pas longtemps. Ultime. Oh, j'ai pas le temps de le placer, putain, je t'en cassé. Mais malheureusement là j'ai fait le con. Donc my bad. Là c'est clairement ma faute. Genre je pensais pouvoir tanker plus longtemps ou au pire. Partir et temporiser pour mon équipe. Malheureusement là j'ai fait le connard, tu vois, j'ai fait ouais, allez j'y vais, c'est cool, tu vois. Je me suis surestimé, désolé, ma faute. Tu vois, c'est souvent mon problème. Souvent quand je vais être dans une game où ça se passe bien, je vais faire le con, tu vois, je vais être là, je vais me balader un peu sur toute la map et je vais me dire oh c'est bon, le jeu est facile et tout. Non, pas du tout. Donc good job le smite. C'est que les mecs maintenant ils me disent même good job quand il y a un smite où il n'y a personne pour le voler.
Tu vois, c'est pour dire à quel point ma réputation de smiter est mauvaise. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Donc allons-y. J'ai acheté même une potion maintenant. Ah non, c'est 500 les potions. Ouais, je peux pas. Du coup, je vais pas acheter de potion. Hein. Tout simplement. Donc le Ezreal a une trinité et une fausse spectrale. C'est pas mal. C'est pas mal, il est bien. Donc avec ton smite et ton E et ton rondin, tu vas slow à l'infini. Bah, c'est le but en fait. C'est le but d'une Sejuani, tu vois. C'est d'être très utilitaire, d'être beaucoup de contrôle. Bah, tire-toi maintenant. Genre, t'as déjà fait l'erreur 20 fois. Attends. Oh non. Oh non. Il est encore mort. Oh non. Ouais, j'ai touché avec mon grand dune. Du coup, je vais y aller. Ok, il est là-bas. Ok, on a pris un shutdown, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai utilisé ma red trinket pour justement essayer de le spot. Faudrait qu'on essaye de push au bot là au maximum. Ce serait plutôt, plutôt bien. Est-ce qu'ils vont tenter un move là? Je pense pas qu'ils tentent un move là-dessus. Vas-y, push au bot. Je vais push au mid moi. Je vais prendre mon level 15 soon. Pas encore, mais soon je pense. Un Drake à 1 pour le moment, 4 tours à 3. La game est méga serrée hein. La game est vraiment chaude les gars. Ok, c'est bon. Oh mec. C'est juste essayer de le smite. Non, malheureusement, je l'ai pas pu. Non, ils l'ont fait trop vite. Je suis très déçu. Vas-y. C'est que ce pic, hein. Tu sais, t'es là, t'es en mode, ouais, je vais la voir et tout. Elle m'a fait, non, non, vas-y, vas-y. Tire-toi de là. Je fais, ok, si tu veux mettre. Pas bien ouf. Oula, vas-y. Prends-le. Il a sa manamine là? Non, il a pas sa manamine, il a même pas fait une. Ouais, il a pas fait de larme, je suis en ouf. Il garde tellement qu'il smite même les singes. Ah bah mec, là, là je m'en fous, hein. Je smite tout ce qui... je smite tout ce qui est devant moi. Hein. Là, j'en ai absolument rien à foutre. Hein. Il doit être dans un des push là. Hein. Ça m'étonnerait pas. Dommage. Elle n'y est pas. Je suis très déçu. Ok, nice. Mid lane. On a une Miss Fortune qui peut se faire un V1 par. Qui peut se faire un V1 par. Par la Harry. Donc, du coup, ça va. Heureusement pour nous, on a une Harry qui a très bien joué sa game pour le moment. Donc, je vais partir sur ça. Ça me permettra en plus ça d'avoir un peu plus de PV par la suite. Oh là là, c'est cool. Hein. On va le laisser. On va le laisser partir tranquille. Je vais mettre une pink ici pour éviter. Qu'on me surprenne dans le jungle. Fait chier. Je peux pas goal hein. Ezreal a mis beaucoup de dégâts à la Poppy quand même, donc ça c'est assez intéressant. C'est plutôt bien joué. Peut-être moyen de faire un truc là. Hein. Peut-être moyen de faire un truc là. Ok, flash out instant, parfait. Allez les deux. Parfait, tranquille. Donc là je me suis ignite, malheureusement je suis mort, donc ça c'est plus ou moins normal. Est-ce qu'il va pouvoir prendre un kill? Il a quand même son shield, c'est parfait ça, il a la TP, TP, TP. Oh dommage le E. Donc on a pris pour l'instant du 3 pour 2, peut-être moyen de faire un truc, peut-être moyen de faire un truc. Allez, nice, nice. Non il est lent, non il est lent comme jamais. Ah dommage. Dommage, mais finalement ça va, genre on s'en sort assez bien. J'ai pas laissé mon rendu une, donc en gros j'ai réussi à mettre un ultime sur Wukong et sur Blitzcrank malgré le fait que j'étais très très low sur ce move. On s'en sort extrêmement bien, on est présent sur 16 kills, là où la Poppy n'est présente que sur 9 kills, alors qu'il y a égalité. Hein. En termes de kills, ça va. On est vraiment bien, le Ezreal qui lui est parti sur des sandales de mercure. Vu qu'il a un peu peur, j'imagine, de là, le blanc. Je passe level 15 grâce à l'XP de la tour. Et là, pour l'instant, c'est bien. J'ai une impression de déjà vu maintenant, what the fuck. Hein? Comment ça? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pas grave, bloquer son truc. Allez Riven, Riven t'as 22 dash, tu peux t'en sortir? Nice, il s'en sort, c'est bon. Il s'en sort je pense. C'est chaud mais il s'en sort. Donc ça pour le coup, je peux comprendre que vous soyez en mode Riven c'est dégoûtant. Oui, c'est vrai que ça sur les escapes, c'est assez dégueulasse comme champion. Je ne vais pas... Je ne vais pas être là à faire bluff, non c'est ok, genre tranquille. Chier. Je smite, il m'a stun. Oh, il m'a stun. Putain, il m'a mis beaucoup de dégâts. Malheureusement, le. Oh là là, le TF est mort. Non, le TF. Non, ça c'est tellement la game. Ça c'est tellement le move de la game. À moins que la Riven parvienne à faire quelque chose. Il a plus rien, il a plus rien. C'est chaud. Mec, ulti. Nice, voilà, c'est bon. Donc, un kill récupéré là-bas.
Notre Harry qui elle aussi est morte. Ça fait pour l'instant du 1 pour 4. Oh, ça pue. Donc. Non, il a. Non, non, t'as pas lu. Il va mettre la zone, il va mourir. Il est mort. Donc là, en gros, notre Twisted Fate s'est fait tuer solo. Putain, c'était vraiment de la merde ça. C'était vraiment de la merde ce move. Ils vont peut-être faire de la short. Je pense qu'ils peuvent faire de la short. Ils sont 3 pour faire de la short avec le blanc, Poppy et Miss Fortune. Ah bah non, ils vont push au bot. Ok. Pourquoi pas? Je préfère ça du coup. Je préfère qu'ils aillent push au bot. Ça, c'est tellement le move qui peut nous faire perdre la partie. Je tente quand même assez longtemps, mais malheureusement, je ne pense pas que ça puisse suffire. Heureusement pour nous, ils n'ont pas pris le baron. Et du coup, on peut peut-être essayer d'aller chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'il va tenter un one shot là-dessus? Ah, ça, le TF est quand même level 15. Hein. Il a un petit level d'avance sur notre sur la Leblanc. Donc, c'est ok, tu vois, mais c'est pas non plus si fou que ça. Donc, ok, ultime. C'est d'aller chercher, moi. Ouais, il va juste tirer. Vas-y, prends le blue. Faudrait qu'on essaie de forcer des trucs au bout d'un moment. Je pense qu'on aurait pu forcer le Nashor à multiples reprises. Malheureusement, on n'a pas eu les balls de le faire. Et ça nous coûte un peu cher depuis tout à l'heure. Mais si on est dans le sang, je pense qu'on est bien dans la game, honnêtement. Je m'en fais pas trop pour l'instant. Dès le moment où ils prendront un Nashor, je me dirais que là c'est un peu la merde. Donc tu vois, ça va, le TF il est cool, tu vois. Genre il s'excuse et tout, tu vois, c'est pas grave, tu vois, genre je m'en fous. Genre même s'il fait pas une game de ouf, ça arrive. Donc c'est ok. C'est ok. La MF est level 15, elle fait pas si mal que ça pour l'instant, donc ça va. T'as rien à vouloir clean malheureuse ward, oui je suis d'accord. Mais je sais quand je fais des erreurs, ne vous en faites pas. Genre là pour le coup, le fait que... Non mais Riven, non, arrête de te faire catch s'il te plaît. Wesh, tu vas où? Quoi? Pourquoi il est passé par là? Ils sont défoncés. Oh ça va, il a mis l'ultime, il a forcé l'ultime de Wukong, c'est tellement bon ça. Ok. On va essayer de se replacer du coup vers là-bas. On va essayer d'aller chercher. Je vais chercher. Est-ce qu'il a les dégâts? Il a pas les dégâts. Si, il a les dégâts. Parfait. Oh non, le coup spell qui a totalement été piffé. Oh mais lui aussi. Non, il se fait catch encore. Je peux pas. Genre, je pourrais pas aller chercher. Ils vont tous arriver sur moi, je pense. Smite! Non putain! Dommage, pas les dégâts nécessaires pour aller chercher la Poppy, mais j'ai réussi à prendre un trade kill en 1v3. J'étais quand même très longtemps, comme vous pouvez le voir. J'ai mis mid life à la Leblanc alors que je suis full tanky. Maintenant que j'ai ma flaque du mort, ce sera un peu mieux. Mais je vais partir sur quoi? Est-ce que je pars sur genre une Warmog pour être vraiment intuable? Parce qu'en gros, la Warmog permet d'avoir plus de PV et stacker au passif du Titan Cendré, ça me permet d'avoir encore un peu plus de PV. Donc. Ah non, même pas! Mais si, je suis en ouf moi. Ah bah non, ça pue en fait. Bah non, bah du coup je prends pas ça, vous êtes... je suis en ouf moi. Je prends ça, je prends un gantelet tiens. Gantelet ça va être bien. Par contre, faire attention. Donc j'ai réussi à tuer moi le Blitzcrank en le smitant. Donc moi les kill smite je connais, tu vois. Mais... les smite objectifs pour l'instant, bon j'en ai eu un. Mais j'ai peur de forcer un Nashor ou quoi. Donc va falloir qu'on fasse attention. Imagine 1v1 LRB vs Poppy, la game dure 2h30. Forte chance. Il y a de fortes chances mon ami. Par contre le Wukong maintenant est trop bien dans la game, genre on lui a donné des kills gratuits petit à petit. Et là il est à un stade où il se faisait stomp par la Riven. Et maintenant il est devant la Riven, donc ça va être un énorme problème ça aussi. Attention, Larry est level combien? Larry est level 15 hein, la, le blanc vient tout juste de passer level 16. Mais oh elle a 25 stacks de Medjay. Elle a 25 stacks de Medjay quand même. C'est assez aberrant quand même. Est-ce qu'on peut forcer un objectif? 3 minutes Drake. Faut qu'on clean la vision autour du Nashor. J'essaie de clean un peu la vision autour du Nashor. Est-ce qu'ils ont de ward? Pas spécialement de ward, non. Oh non, putain, c'est relou ça. C'est relou ça. J'ai le seum. Quel truc de merde. Oula, c'est chaud. Force, DM. No smite, 10. Attends, j'ai pas de smite encore. Ça pue la merde. Putain, ça pue la merde les gars, fallait se retourner. Pourquoi on a suivi ce call de merde? C'était nul à chier.
J'avais pas encore mon smite. Encore si seulement j'avais mon smite, on aurait pu forcer le Baron Nashor, tu vois, c'était ok. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce call? Là, ils peuvent tellement gagner. Là, maintenant qu'ils ont le Nashor, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu vois, j'avais un peu peur. Je savais qu'en gros, j'avais pas le smite, c'était chaud. Du coup, je me suis dit, faut pas le faire. Et ils ont quand même tenté de le faire. Ultime de MF, couplé aux dégâts de zone du Wukong, couplé à Leblanc qui flanque. Ouais. Voilà. Tout simplement. Donc là, on perd un Nilib, on perd un Nashor. Je pense que c'est le tournant de la game. On avait encore nos chances tout à l'heure. Là, ça va devenir de plus en plus compliqué. La Poppy est même devant moi dans la game. Alors qu'en réalité, bah, je faisais l'amour dans sa jungle. Donc, je suis assez triste. On nous fait un truc. La Riven pique les yeux. La Riven n'est pas ouf non plus. En vrai, la team, ça joue assez bien en bot lane. Genre, ça a même très bien joué en bot lane. En lane, la Riven joue bien. Mais ça s'arrête là, quoi. Genre, après, au bout d'un moment. Genre, il a commencé à faire le con alors qu'il aurait pu solo carry la game avec sa Riven. C'est dommage. C'est dommage. C'est pas grave, Larry, elle est bien dans la game du coup. Non, mais là, Larry, elle a de l'impact hein, maintenant. Vas-y, casse-toi. Casse les couilles, ça. Ok. Il me ulti moi, c'est ok. Non, oh, putain, ça me cancel le dash, c'est vrai. Non, il peut pas le tuer, il peut pas le tuer. Ah, ça met tellement de temps, quoi. Genre, en gros, là, on a pas mal de tempo, mais. Seulement la team est arrivée plus vite, je pense qu'on aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais là maintenant ça va devenir très compliqué. Très très difficile. Mais grave, ok, sur la Riven. Riven, tire-toi avant de te faire bump. Ultime demi. Nice. Il a tellement bien joué avec sa Riven là. Malheureusement, est-ce que ça va suffire? La Poppy a pas tant de... J'ai rien dit. La Poppy a quand même pas mal de dégâts. Une bonne auto-attaque, voilà, c'est bon ça. C'est bon ça les gars. Voilà. La MF est morte avant. What the fuck? Mais oui, mais c'est rentable. Bien sûr que c'est rentable les gars. Putain, je savais même pas. Genre c'est parti en couille. La Riven a fait un excellent flash-in par contre sur le TF. Elle lui a mis quasiment full life. Enfin sur le TF, pardon, sur la Leblanc. Elle a quasiment one shot la Leblanc. Mais derrière, c'était pas suffisant. Après il a réussi à sauter sur la MF. C'était pas mal. Putain. On galère de ouf. Pourquoi je prends pas de la RM? Parce qu'en gros les dégâts que je prends le plus, c'est plus physique. Après c'est vrai que la MF, enfin la Leblanc fait très mal. Et c'est pour ça qu'en gros je suis parti sur Sandale de Mercure plus Loquette très tôt dans la partie. Genre limite c'est mes deux items que j'ai fait en premier. Mais j'ai pas l'impression que ça suffise à ce moment là de la partie. Attention. J'ai même très clairement pas l'impression que ça suffise. Ah dommage. Il a pris le loup? Non, il a pas pris le loup. Donc va falloir que je passe level 18. Comme ça je ferai un peu plus de dégâts. Je suis bientôt full stuff. Là on a une ward à enlever. Maintenant je vais pouvoir acheter mon gantelet givrant. Sachant que en gros le gantelet me permettra de clean encore plus vite, de faire plus de dégâts et surtout de ralentir en permanence. Vraiment en permanence. Donc, voyons. Par contre le Wukong mec il me fait peur hein. Le Kong il me fait genre vraiment peur. Donc j'ai mes 42 CDR, donc c'est pas mal. Donc ça donne 10, ça donne 20 et c'est tout. Comment ça se fait que j'ai 10 de plus? Moi ouais, je sais pas d'où viennent mes 10 supplémentaires. Riven, tu peux pas mourir à chaque fois. Tu ne peux pas faire ça à chaque fois. Oh, j'y crois pas. Nice, on a réussi à tuer la Leblanc. Pas mal. Et je me tire. Tirons-nous. Attention par contre le Wukong. Ok, le Gram n'a pas touché, c'est pas mal. Nice les cartes. Nice ça, bien joué. Courez pour votre vie. Nice, c'est bien hein. Final. Ça fait du 2 pour 1, on a réussi à mettre le bon ultime sur la Leblanc. J'ai temporisé au dernier moment pour mettre l'ultime. Je tank assez bien, mais malheureusement la Leblanc me fait vraiment très mal. Après si la Leblanc focus moi, bah c'est bien tu vois, vu qu'elle one shot pas mes carries. Mais là il y a quand même 4 personnes qu'il faut focus. Donc honnêtement je pense qu'en late game on peut encore gagner. La game peut durer très longtemps, mais on a encore largement nos chances. Donc allons-y, faudrait qu'on essaye de push un peu au mid. 20 secondes à mon prochain ultime et ce sera bien. Donc Riven, générateur de gold pour les autres. Ouais, c'est pas ouf. Donc pas de Léandry cette game. Non, j'ai voulu faire un gantelet. Vu qu'en gros le gantelet, bah j'aime bien aussi. Tu vois, ça dépend en fait. Quand j'ai besoin de plus de dégâts directs, je prends le Léandry. Quand je sens que je suis assez tanky. Quand je prends le gantelet givrant, c'est quand je sens que je manque un peu de tankiness. Et que ça va m'apporter cette tankiness manquante. Vu que mine de rien, c'est quand même 65 d'armure. Et 500 de mana qui me permettra du coup
de spam un peu plus mes sorts, même si, bien entendu, il y a mieux pour ça, mais ça fait un peu de tout, et c'est pour ça que j'aime bien le gantelet. Ok, tirons-nous. Ok, ward ici. Est-ce qu'ils ont le ward là? Ils ont pas de ward ici. Où est-ce qu'ils ont des wards? Ils ont pas de ward, hein. Est-ce qu'ils ont le ward là? Mec, ils ont pas de ward dans la région. Ah si, on est là. J'ai un peu peur d'un grab là. Donc j'ai réussi à retirer un peu la vision. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Notre inhibiteur vient de respawn. Le Ezreal commence à faire vraiment mal aussi. Donc il y a très clairement moyen de faire un truc ici. Ils sont deux mid. Ils sont deux vers le mid lane, la mid lane en tout cas. Du coup il faudrait qu'on arrive à forcer cette tour. Ouais c'est bon. Ouais d'où ça me touche ça. Ouais je me please. Alors ça va lui aussi. Genre il m'a mis deux chaînes de suite. Il m'a mis tellement de dégâts. En vrai c'est vrai que le saut de le blanc fait quand même relativement mal. Là on peut pas se permettre de tenter quoi que ce soit. Ultime qui ne touche que Miss Fortune, ça par contre c'est parfait. Ok, pas mal, pas mal. Nice! Nice, ça c'est gratos! C'est gratos ça! C'est le... Non! Oui, oui! 2 pour 0, 2 pour 0! C'est bien! PF! Tu vas où? Tu vas où la putain de toi? Mais non! Mais Dev, pourquoi tu fais ça? Là faut que ce soit Riven qui tank, voilà, c'est Riven qui tank. Pourquoi? Guys, pourquoi il a mis un guys? Il est sérieux là maintenant, guys! Frère! On peut pas, il y a une tour. J'étais low, je suis le seul qui peut tanker la tour. C'est à partir de... Non! Non, tirons-nous, tirez juste nous. Putain, mais pourquoi je reste à pouvoir les aider? J'en ai marre! Putain, on a tellement... On a perdu là. Why? Tef, why? Can't follow when there is a turret and everybody was far. Like there. On était tous là. Putain mais c'était nul comme move. Mais ah putain c'est tellement la game. On a perdu. On a perdu. Oh mais non. Putain. Quel dommage. Quel dommage. Bon c'est dommage. Au moins on a essayé de faire une bonne game. On a fait une bonne game je trouve ensemble. Même si notre score est moyen maintenant, mais on a fait une bonne game. On a fait quelques erreurs. C'est vrai. On a fait quelques erreurs malgré tout. Mais là c'était quand même assez puant. Donc le TF qui se retrouve là-bas. On a 15 secondes avant le prochain. Et du coup c'est la fin de cette game. GG well played. Dommage pour le 2-13 TF qui nous a un petit peu saboté notre partie. Mais dans l'ensemble on a été ok. Donc ça me va. On n'a pas été parfait mais on a été ok. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié cette game malgré le fait que l'on ait perdu. Elle était cool, on fait en moins 16, c'est pas grave vu qu'on gagnera bien plus par la suite. On est à 23 650 en termes de dégâts, ce qui est ok hein, pour un tank, c'est normal. Et on a bien entendu tanké presque 60 000 de dégâts. Donc ça va. Mec, mais c'est terrible de voir qu'au score on était... Ok, on aurait pu suivre le truc, mais juste tu vois le 2-13 et la Riven aussi qui a été puante. Bref, c'était une game qui ne restera pas dans les annales, mais on a sorti là c'est Joanie Port. Et là, c'est Johnny Port, a fait le taf en early, mais n'a pas réussi à le faire à la fin. Donc voilà. Sur ce, courte page de publicité, on se retrouve juste après pour une deuxième game. Et on verra comment ça se passe. Des bisous et à tout de suite.